ويلي غادي يسالنا الاول كيزول في الاول مرحبا يسول ارتعادنا غاتمسال نتذمسا زمامات نتذمسا ساكي انا مسلاي يعني انزر ذا شو ميك يعني سكواسنا كي نقولا ثمورثنا تسكاز على طس ام قران ناغ دازال ام قران ايو الفر الافريك نزر ذاك ني ناغ تيكوبانيين تمورثنا ثقراكيني توجهن طس ثمايا كينين بغا نزر هذي تدبيل تاكي ذا شو الخصوصيه تيك ساعه السوق كي للفر الافريك ذا شو الفائده مرة روح انت كوبانيين ناغ نغد ثمايا كينين ثنا تاكي تمسال تنانس قرضاش لوك ذا نفقي ونغ الى انا كيكيد ناغ الصبح كي الا في دنفر ماس منصف بودربان تا الى انا فوق رون اني وات ديك لون ديك لا يدي جمعان ويدي خدمنا كيدي لا سيراميك صباح الخير ماس بودربا بونجور ماس بودربا بونجور ميرسي دو فوتر انفيتاسيون ثاني ميرسي ميرسي بوكو اما كان من العوايد الى مدكنا ماس محمد عشير صباح الخير محمد صباح الخير كان هكا هي نغديها نبدو ثادبيلتنا نبغى نزر يعني امشي كان ثامورتنا ثقري كينيا نزران مديان اللي كيران مكيس قارنا كني كيران لي ديسيرت الفافورات تروحوا لماذن واكشوت تروحوا لماذ لافريك دو الوست كينيا ثقري كينيا نبغى نخدم لي بلاتفورم ذي تين دوك ذي تمن راسات يوكل انا وين السلعه ارت موريا كين نبغى نزر ذا شو يعني اي غرك كين لانتيري كينيا الفر لافريك ثقري كين انا زوير سماش بودربا مسيو بودربا يعني on a constaté que l'Algérie donne quand même un intérêt assez particulier au marché africain, au continent africain ces dernières années. Pourquoi يعني cet intérêt s'est manifesté que ces dernières années? C'est vrai que l'Algérie a une histoire avec l'Afrique, oui. Des relations diplomatiques, politiques, absolument. Qui remontent quand même aux premières années d'indépendance et oui. Bien avant même. Mais ces dernières années, sur le plan économique, on l'orne surtout du côté africain. Bien, votre question, c'est vrai, historiquement, l'Algérie, elle a joué un rôle fondamental dans la décolonisation de nos amis africains, nos frères africains. Nous avons ensuite, par la suite, joué un rôle sur la formation des élites, sur tout ce qui est encadrement militaire et au niveau, les étudiants qui au niveau universitaire. Oui, on a fait un travail remarquable. Et puis, ce qui est le poteau rose pour l'Algérie, qui est quand même... Une bonne nouvelle pour notre économie, c'est que à travers plusieurs missions que nous avons effectuées, que ce soit des missions gouvernementales ou bien les associations patronales en elles-mêmes, qui se sont déplacées sur place, chez nos amis africains, en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez souligné, au Sénégal, en Mauritanie, au Gabon, au Cameroun, on a constaté de visu sur le terrain que la situation était vraiment une situation jouable pour l'économie algérienne. Et en même temps, nous avons eu la chance que c'est tombé avec l'élan du gouvernement algérien qui est aujourd'hui engagé dans une stratégie de diversification de son économie. Donc tous les paramètres sont favorables à un retour de l'Algérie sur les marchés africains. Donc nous avons aussi pu constater que le marché africain global des 54 pays de la zone ASDECAF est demandeur d'à peu près 600 milliards de dollars par an. En produits importés. L'Algérie aujourd'hui peut rapidement se positionner sur ce marché avec un minimum de 15, 20 ou 30% de cette manne, n'est-ce pas, financière, oui. que nous devons capter assez rapidement pour pouvoir, n'est-ce pas, diriger nos produits manufacturés parce que nous avons une base qui est aujourd'hui aux normes internationales en ce qui concerne nos produits industriels, nos produits manufacturés, l'agroalimentaire, les produits comme le fer, le ciment, la céramique et tous les produits dérivés en caoutchouc, le pneumatique, oui. Tout ça, qui doit rapidement arriver dans les ports africains. Je pense que nous avons commencé en 2022 et en 2023, nous souhaitons que ce soit une année de concrétisation de toute cette belle aventure africaine. ثاني مرة وقت ماش منصب بالدربة ني هذاك اللي دني زوار والي يعني العلاقات اللي كانت مورفنا لوك تمورا كي قال لافريك ويعني مقبل يا كان لانت زمرا دني ني هذاك مقبل ثيمونت تمورفنا ولكن من بعد ميثي ثيمونت نزرا ذاك ثمورفنا ثورا اليوم الدوره مقران يعني يذوق سلمذ نوطس يعني ني مذا نتسنى كي كان في الفريق وما كنت مورفنا عن ساعه طاس نتاوي الى ثماذ الغلاني نس اكني دينا ماش منصب بالدربة الطاس تدريمتي قلان يتحتاج ثمورث لافريك سي كسوفا راكي وثمورث ناغز ما راكي فينا اما 25 30% من السوق كي زمر يعني المجهودات راه تخدم ثمورث ناغ كان ماس محمد عشير ند نقارن ذاك اللي العلاقات ثمورث ناغ لافريك تصيدي قارن امر الفغين
يشويرنا لو نيفو عندي وزنت العلاقه ثقيله كنت مراقينيث البوليتيك نتشرثيث الى قادرين تلغنيث ذي الذمسه ذي نوري اللي نرى ذي نوري اللي نرى وصلي غير ما نزمر نبدو سوغور اللي غار لا بريزونس كي سقانا كنت مور فينا اللي تيميد ديال افريك تورا كان يثبت جوس واطاس اي غار ذا الشيء الفائده ثاني زمر ثمور فينا غداويا ما ذكش ما كي ذي السوق يعني كد نظام كامل نيفو المخلطة انت ذمسا غير الجزائر ياك تمورا انت فريقت ويصوض راه يعني كني قارن النيفو المخلطة انت سيرتي دي سيرتي يعني نو زافون دي ريلاسيون دي تري بون ريلاسيون بوليتيك دي ميم نو زافون دي ريلاسيون هيستوريك تري اونورابل ولكن يعني انا المخلطة التجارة يعني أنا أسفتين ذي ثمران تفريق يعني أنا نكشوم نسلعة يعني أنا نأكل دي سيرفيس وذا يعني أنا نتاولة ذي ترانسبور الميتين قريقين سل بلي فتحن كلا بار اكزومبل لي ليني ديريكتور كلا تمورا يعني تمورا تفريق دونك انسان يعني الخصاص ضم قران وين يعني المخلطات خاصك ني الجزائر غير ثيمورا ثيمزورا غيك سولن يوكن يوكن ثفريق تسعون المخلطة غير ثمورينس خاطر من ما نهضر في الأورغانيزاسيون دو لونيون افريكان الجزائر غير ثمورا ثيمزورا غيك سولن يوكن الأورغانيزاسيون دو لونيون افريكان اتكشم اروين ميقارن لا سوفرينتي ايكونوميك إمير إيجيد إلا أمزوارو البروسيسوس دي ديكولينيزاسيون دو لافريك لا فان دي زاني 60 لا كرياسيون دو لورغانيزاسيون دو لونيتي افريكان ومن بعد تبعت جوستومون لو سوية كي نا لو فغيا كي نتمورا كنت فريقت ان دار الجزائر تلعب الدور ضام قران سو بلون بوليتيك إوا كان انكشمي لا سوفرينتي بوليتيك اي تيريتوريال لا سوفرينتي ايكونوميك ولكن ثولا ذا كيان في مولان تفريقت سانت الخصاص ضم قران ثم زوالوث ذي ثم سان دونيث في سنة مازال دي فورم دو نيو كولونيزاسيون كني قارن ذي جانت في مولان تفريقت خاصة كني ما نتفد راس دي كا في لو رومونت 1963 كوم ديكلاراسيون دانتونسيون ذا كيان يشمن يزوج 2021 يعني سوز منصب دونك ذا شكيك جانت ولا ماذا قلنا ولا شطاس المخلطات غير ثمورنت فريق نا غير الجزائر ياك ثمورنت فريق تا خطر ما تروح دار الصحه تفض ولا تا ذمسا اكدينا ما شبو دار با تا ذمسا ثمور ياك انت فريق ماشي تا ذمسا ان وان سوا تا سي با ديفيرسيفيكاسيون ايكونوميك دونك سي ان ايرو ان بو على سفير ريال اي على سيتوياسيون ميم انستيتوسيونيل دو ليكونومي افريكان ستادير انكادرمون انستيتوسيونيل دي ايكونومي افريكان لكن تمزعو في سنات لو بوا ما تفد كان ثقل التجارة أكون 55 تمورا انت فريقت دي تجارة دوني ثانا ويعدالا السين تيشيرت 5% دو فير لافريك بارتيسيب ا 2.5% سولمون يعني دو فولوم دو فوليوم جلوبال دو كوميرس مونديال دونك شتاكي داين ديسفيكينين تيمورا انت فريقت وساعين تالا يعني ثقلام قران دي تجارة دوني ولا يمسناون نا ولا دي انستيتيوشن انترناسيونال قرناك ولا لونيون افريكان ولا قرناك ماذا قلنا اللي هي ان انتغراسيون انترا افريكان سي تادير لي زيشونج غير ثمور انت فريق اش كي داين لي جن ماشي كان ولا لا برودكسيون ديال البرودوي انتيريور بروت الاخلاق من الغلا ديال مولاكين فريق ولكن ولا داين يعني لو نيفو دو في ديالي ولا داين يعني سوكسا لاز بوطاش انت موران انت فريق ديالي غير فكر كان مزيان البنكان دونيت نايك ماذا قال ايسيا كي زوج الاف و30 لا زون كي دري بلي شونج يعني تجاره كي تاع حريث انت فريق تينك الحنكني هو الحال هي 40 الى 50 مليون امزدغ يثمر انت فريق تاع ديفرون يعني يتجلل نا لا بوفارتي سون يعني ريفينيو مويا دونك اش تاع داين ردي جن يعني هذه لي ان ديفلوبمون ايكونوميك هذه لي ان ديفلوبمون سوسيال يثمر انت فريق دونك تورا لي بي افريكان سانت لانتيري وكن اسجهدنت المخلطه التجاره المخلطه غنتذريمت خاطر يفو انتيغري ميم لي سيستيم فينونسيير غير مورا نتفريق خاطر التجاره
سي ان فلو فيزيك يعني لي شونج دو مارشانديز ولكن شو الصح ديال هذه هنا الا قال لي ان فلو فينانسي سي تادي يا دي ان سيستيم فينانسي دي ترانزاكسيون فينانسيير يا دي ترانسفير دونك في سنه ديغ الا قلتي مولاي كان نتفريق السي وون تاع ميك يعني اش ذاك لنت القوانين ياك ديا فارن لي نورم يا فارن ياك اما تجاره اما تجاره فرانيث يعني دو كوميرس اكستيريور اما ديوانه اما اش تقي هنا كلان ديال لازلي كاف ديال المارشي وي وي جوستومون اش تقي شو يعني كان كامل بلي يظل شويه وفريد يظل شويه وفريد خاطر اش تقي داين يشد الطاس يعني لي حاله غيتيدير انت كنت مورا تمورا تمورا تفريق تمورا تثمر ماشي مدربه دونك فانزر يدران نكون من القاره كي كنروح الفراكي لافريكا يدران كيس قنا كني نوذا انزر كي جلس سوق اسكي يا جوستومون دي زيتود دو مارشي افريكان دو لابار دو دوبيراتور الجيريان pour accéder, pour ambitionner de, justement de pénétrer ce marché, je pense qu'il faudrait avoir assez de données. Est-ce que est-ce qu'il existe une diplomatie économique chez nous? Écoutez, nous avons fait le plus gros du travail en ce qui concerne le développement de notre pays. Nous avons atteint aujourd'hui, en termes de qualité de certains produits, de certains produits industriels, que nous pouvons fièrement et facilement transporter en Afrique, y compris en Europe. Concurrentiel, bien entendu. Oui, bien sûr, à des prix très concurrentiels et avec des avantages comparatifs, comme a soulevé M. Agir, c'est-à-dire que nos produits aujourd'hui peuvent physiquement se placer. Mais bien sûr, il y a un travail à faire sur les études de marché, il y a un travail à faire sur un certain nombre de réglages, et qui sont les choses les plus faciles, parce que nous avons fait le plus difficile, encore une fois. Maintenant, il faut créer l'accoutumance aux produits algériens. Et pour cela, effectivement, et le problème financier a été soulevé par M. Achir, il faut que la législation, comme est prévue maintenant dans le nouveau code des investissements, comme dans le code de la loi, la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit, les institutions financières algériennes, les banques peuvent aller s'installer rapidement et devenir opérationnelles. C'est ça qui est important. Quand on dit opérationnel, ça veut dire qu'elles peuvent accompagner l'opérateur économique algérien à s'installer, à donc prendre en charge ces risques qui sont liés à l'étude dont vous avez parlé au début de la question. Donc tout ça fait partie d'un certain nombre de réglages que nous devons faire sur nous-mêmes pour, n'est-ce pas, transformer notre commerce qui est international, qui était malheureusement pour nous, disons à 90% import-import, et le transformer en une économie de performance avec une orientation, une stratégie export-export. Bon. Ça, c'est au niveau maintenant des réglages qui concernent le législatif. Ça a été fait en 2022 et 2023. Quoi, des investissements? Il reste, oui, je l'ai soulevé tout à l'heure, les investissements, la monnaie, le crédit. Tout ça, la panoplie, l'encadrement juridique est fait. Il reste quelques mois maintenant, je pense, pour finaliser et adopter la loi sur le foncier. Ça va être fait, donc ça va créer une attractivité de l'Algérie pour des investissements de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, parce qu'ils ont un savoir-faire, ils ont aujourd'hui des capitaux qui peuvent faire entrer facilement en Algérie, dans le cadre de la loi, transparente, qui vont permettre de booster les investissements et d'aller avec plus de force en Afrique, avec une économie diversifiée de qualité et de quantité. Maintenant, il y a aussi le rôle des institutions de l'État, c'est-à-dire que le gouvernement doit réfléchir à une stratégie avec des objectifs. Une stratégie avec des objectifs à court, moyen et long terme qui va non seulement accompagner notre économie à l'extérieur, lui donner toutes les garanties de réussir et ensuite avoir un suivi filière par filière pour finalement, ce qu'a dit M. Agir, identifier le retour sur l'investissement. Il ne faut pas aller comme ça, d'une manière aventureuse, faire n'importe quoi. Il faut aller dans un cadre organisé. Et là, je lance un appel ce matin à tous nos interlocuteurs au niveau du gouvernement algérien pour nous accompagner main dans la main, réussir cette opération d'export africaine, parce qu'encore une fois, nous avons les produits, le marché est demandeur, maintenant il faut trouver un moyen d'aller rapidement là-bas et de se mettre à travailler efficacement pour pouvoir, n'est-ce pas, reprendre le leadership que nous avions sur le plan politique, comme nous avions dit tout à l'heure, et historique, et que ça soit traduit sur le terrain par une opération
économique rentable et un partenariat gagnant-gagnant avec nos amis africains. Fen mirta mqat mas monsieur Badr bi kina dak nsel ant mourtna gatas yani snfar li atas yisoufar dak sel nzmer nshqaak qert moura l'Afrique dak chmer souq ma kin dagni atas l'qwanani qbadlen l'qanun qinous fi tadrim tak l'qanun nsour di lak dortal nshtaqi ولكن يسوثر ذاك النيث ذيك مدبر تمور ذاك ندفكن تسهيلات اكثر اي وي جيف انا زنزنك كيان ارسوق نيغد نتمور الافريكي وكن يسوي راك نيد نيغ المخلطه في التجاره لو كنت تمشى غادي لينت في النيفو يعني نسوير نسافيف العلاقه في ساعات مولات لوك في الفراكيا ثورا ذاك نكيدو غراس خطر سقسا ماس بودر باني غاس يعني يند راك نيد هذا ماس محمد عاشير السوق يعني الفير الافريك كما من لنا تصور يعني هما دي غور دي شود انا لما لي شود دي شود انا رسرتي دي شود اتستم شلاك كويت بور سي سينيغ يا دران الا يعني يونيتود من السوق كي سولتو لي بلان كني قال ماشي كان كي هذا شي حوايج تمراقي ولكن اسكن ساعه زعما عندنا دي انستيتيوشن سبيساليزي قلهان سوا شتاقي وكنا دفكن يونوذ ما حقانين السوق كي ايوا كنا معلمونيك ساعه تدريم تسعه يسوفار يزمر تاويا اون توت سيكيوريتي تكنيك يعني أكمل يعني أنا يعني أنا نسوي لث وين يعني أنا دنيا الخير أنت ذا مسان تفرقت يعني أنا ذي إمزداغ أشتقي ذين إلان وذين جالزن سواتاس ستادير لوسكون بارل ان ترم دو بوتنسيال ثورا يعني الأفريك صوضة لما ثلاثة لف وربعمية مليار دولار بخلاق الغلة برودوي انتيريور بروت ساعة مليار و 300 يمذنن 300 مليان يمزدا ويسيقى 2050 الطاس يعني يمسنون ولا يعني تسود ديقي ثقر لأن أنا كبلي ثمورت انتفريقت تسيدي يعني الكونتينون البلو جون encore davantage les sont la main d'œuvre jeune ou est-il déjà formé ou là ben il y a une la classe moyenne d'aller mieux et l'Afrique donc Ernuyes c'est frict c'est le glan amal glan de la les minerais ou c'est le glan de la terre ou c'est le sud l'énergie ou c'est le triche وسان اتن ديال داخل بوا ما نكني قال البحار ما لي زوسيون ايتترا دونك كاين شتاق كما مرت البخير داين لي جن في مولاكين تفريق الدالين سواطاس دي التجاره نسنت والدالين سواطاس قمكان نسنت دي تمسا اندوني ولا ذا شو مال تفض لي انستيتيوسيون مازال لا قديم خطر سي فري كو ولا غادي تمورا لوروبا ما تفضل خاطر هي دي جروب دانتيغراسيون او نيفو ريجيونال دون لو موند اما الازيان اما الينا الى امريك دو نور نا لونيون اوروبيان نا طاس يعني تميون دي دونيث خدمت يعني يعني خدمت البلان يكتفن المده يوكن السيغلونت يعني الانتيغراسيون ايكونوميك اي كوميرسيال بدات سوينا كتب بدات ولا لافريك يعني بدات لي بريشونج سي تادير سوكسا القيود فين يعني التجاره مخططه التجاره خاصك ني خدمه تيون البلان عند الى خمسي قال خمس سنين في موراي جهدنا ديك 90% انت بزاف ديوانا في التجاره نسنت ما تيمورا ونجهد دارها في كناس انت المده 10 سنين ايوا كان هذاك سنت بزاف تاعي ديوانا ارنو ياش ديا اي ثورا تيمورا تفريق ساعه لي انستيتيوشن يعني جهدنا خاطر ساعه ليكسبيريونس وساعه تاع طاس اسم فاني خدمه تقولنا ام لا بونك افريكان دو ديفلوبمون لا باد كو ميم سجهد وساعة تجربة ولكن أين يعني ثورة لونجو ذا شو ثنا لو ديفي سي ام كان سلحقا تثي موريا جنت فريقت اي قراتي فين اكستنيان سود منصيب ثورة 46 في 54 اي قراتي فين لازلي كاف يعني مازال كلا وراتي فين تلا ماذا نشوم ثورة طفنت 8 كانت مورا كوم بي بيلوتي وكنا دبزون ليبريشون جاكيا دونك ايوا كان هاد الحون لا زوناكي يلاق لا ريغلمونطاسيون
اما كوميرسيال اما لا ريغلمونطاسيون لا كونكيرونس لا قصدك فوالا sur le plan commercial, sur le plan de la concurrence, sur le plan des normes de produits, yani les normes de qualité, les normes de production, il y a quoi que ce soit. C'est des institutions nationales, au niveau supranational, c'est-à-dire au niveau régional, des ateliers, les normes qui sont en train de faire ça, ils ont le droit de propriété, il est fondamental dans le commerce international, le droit de propriété, ou là l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, droit de propriété intellectuelle et industrielle. Les règles d'origine de produits. Mais il y a un pays africain qui est importé. Est-ce que l'emballage est exporté à un autre pays africain? Il y a un autre pays africain qui est en train de faire. Donc, il y a généralement par de moins de 40% de taux d'intégration nationale. Et au Kenya, c'est un produit national. Et les chemins sont l'avantage à Guinée, la zone de libre-échange. Une cuisinière par exemple d'électroménager est intégrée à 70%. Effectivement. Donc on a beaucoup de production à agroalimentaire, à électroménager, mais même électronique, il est loin d'un soulier mieux. Mais bien sûr, il y a le défi pour la branche mécanique et automobile. خاطر إذا قيل قصد الحقد 40% بشيء هذا يغادي إنك يوكن يغادي شملة مولا أنت فريق دائما الجزائر الصحراس يوكن لي كونستركتور اوتوموبيل إلا قيل خدمة لا سوتري تونسو نيفو ناسيونال يوكن هذا انتيغران برودوي دونك لي راجل دوريجين هو جاي أيلين داو فل ذي لا زون أكين أفريكان ماذا قيل لا خاطر لان خيرا تمورا زينت ديال أفريك ذي شوف تمورا أكين La vocation c'est sur les plateformes logistiques. La Chine, le Inde, et la Corée du Sud et le Japon. C'est un choix à l'emballage, c'est un choix à quelque chose. Ce n'est pas un produit. Donc, il y a des gens qui font réexporter ces produits. دونك اش تقير ذي الحيلة يعني اميك خطر ثورة ما لا تكسر تبزر تندي وانا اش تقير ذي سيت اون بيرت بور تريزور بيبليك يعني سيت اون بيرت دو ريفوني فيسكال يثمرت دونك دايمي مدينة ثورة في ليز انستيتيسيون دونك ليز انستيتيسيون لي كوميسيون راهي راقب هناك لاكور اكير دو زون دو ليبر ايشونج continental africaine il a qu'à harcèler la thématique qui justement et aucun a-t-il réellement une intégration économique ou d'un chef qui zmeren a décidé de faire ça en direct mais d'ailleurs qu'un échange en tijara si des pays marchands n'ont pas de échange en tijara ou la production ou là il y a pas de remontée de branches de filières au niveau intra-africain donc d'ailleurs même l'impact du libre échange du tawar al hajj alia وين يعني اخلقنا الغله نعم ثم ثمس محمد عاشي فك قسم اسمو دربا يعني اسكو لو مارشي افريكان il est normalisé c'est-à-dire est-ce qu'il dispose de beaucoup de normes auxquelles le produit algérien doit
répondre pour justement accéder à ce marché. يعني ما نظر ما إلا أتص يعني القوانين كسل حين كجيل ما السوق جي أثي جعلن يلق يسوفر جنت مرت نقدرني شروط جيل باش نش باش نظر يعني عسكي درا السوق قارن نخاتي بس كتصي كقارن يعني تفريق ذيني سهل نخاتي اسكي فريمون سي 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 با فا oui absolument il est normalisé et il est aussi comme a dit monsieur Achir il est huilé. C'est-à-dire les circuits commerciaux sont des circuits commerciaux standardisés. Attention, nous on arrive en 2022-2023, on commence à prendre sérieusement ce volet de l'export en Algérie parce que les potentialités de l'économie algérienne, comme nous l'avons dit auparavant, nous permettent d'aller aisément sur le plan de la qualité, affronter la concurrence, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a des règles, vous savez très bien qu'en commerce international, il y a des mécanismes qu'il faut respecter. Nous, on a eu une petite expérience, on a été donc avec nos amis qui sont dans la transformation agroalimentaire. Donc ils se sont rendus compte que l'Afrique, effectivement, comme a souligné le docteur Achir, est un territoire qui offre de grandes potentialités agricoles. Ils ont beaucoup de matières premières sur le plan agricole. Ils ont une autosuffisance agricole, ils sont un petit peu désorganisés au niveau de la distribution, redistribution, parce que, laissez-moi vous dire ce matin, qu'il y a encore un petit peu des monopoles européens qui gèrent l'économie de nos amis ouest-africains. C'est pas un reproche, c'est un constat que je fais. Oui, oui. Donc j'espère que l'ASLECAF va donner un coup dans la fourmilière, va transformer un petit peu et remettre en cause cet ordre établi que nous voulons, pour que l'Algérie puisse en tirer profit, bien sûr. Donc, comme je vous disais, nos amis algériens qui nous ont accompagnés, ils se sont intéressés de très près à des produits que nous consommons ici en Algérie, comme le café, comme, n'est-ce pas, qui sont des gros producteurs, le cacao, etc., en Afrique, pour effectivement pouvoir le transformer en Algérie et le refaire partir en Afrique comme produit fini, consommable, emballé, comme vous avez souligné, M. Achir, etc. Donc l'intégration, effectivement, elle peut se faire d'une manière physique, mais il y a aussi les paramètres administratifs, juridiques, bancaires, le respect des normes de qualité que vous avez soulevées, M. Kamel, et en même temps, les traditions. De consommation Les traditions de commercer. De commercer. Les gens sont déjà installés. Les comptoirs fonctionnent d'import et d'export. Sont à Abidjan, à Dakar, à Nouakchott, à Yaoundé, existent. Les rotations maritimes sont classiques. Le fret aérien est généralement... Mais il y a toujours quelque chose à grignoter quand même. Non, il y a beaucoup à grignoter parce que l'Algérie aujourd'hui, quand vous voyez la situation avec ce qui s'est passé en Ukraine et dans le bassin méditerranéen, la redistribution des cartes, l'Algérie, elle a une carte intéressante, une position qui est un marché qui est preneur. Elle peut aller, c'est jouable, il y a des avantages comparatifs qui nous permettent d'être très optimistes et qui nous donnent de l'espoir, nous opérateurs économiques. Mais simplement, il faut que je pense que l'actuel ministre qui a pris ses fonctions du commerce et a été très sensible à la première réunion que nous avons eue, une réunion de contact et de synthèse, il a tout de suite compris les enjeux, il est déterminé à travailler la main dans la main avec les accompagner les exportateurs. Non seulement accompagner, booster, consolider, modifier, apporter les solutions qu'il faut pour que tous les opérateurs algériens, publics et privés maintenant, parce que la loi, elle met tout le monde au même pied d'égalité. Attention, les gens pensent que le secteur privé productif en Algérie, il est aussi respectable que le secteur public. Donc il ne faut pas faire cette bêtise que nous avons fait dans le passé. Il faut mettre tous les Algériens, y compris, je répète encore ce matin, nos compatriotes algériens qui sont installés dans tous les pays du monde, qui maîtrisent une expertise, qu'ils ont leurs capitaux, ils ont un savoir-faire. En ce qui concerne par exemple la logistique, il y a énormément de sociétés qui sont détenues par des capitaux de nos confrères algériens en Italie, surtout en France, etc., qui peuvent nous donner un bon coup de main sur le plan de la logistique. Il faut leur dire, ils sont en Algérie, c'est leur pays d'origine, de leurs parents, donc s'ils peuvent nous aider, nous, à aller ensemble, main dans la main, et faire un travail collectif avec une bonne base
financière, un accompagnement. Le réseau bancaire est en train de s'installer, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est jouable. Le gouvernement et le président de la République à sa tête a donné des instructions fermes dans ce sens, une orientation où il a déjà considéré 2022 comme étant l'année économique, 2023 comme étant l'année de l'export, avec on a commencé à annoncer des chiffres entre 7 000 et 13 milliards de dollars. 15 milliards à la fin 2023. Mais pour réussir tout ça, potentiellement, on peut le faire, on peut même aller un peu plus loin, mais simplement, comme nous l'avons dit ce matin, il faut que toutes les conditions dont nous avons évoqué ce matin soient réunies pour que cette opération atteigne ces chiffres et même puisse les dépasser avec le retour de la confiance pour tous les opérateurs algériens qui ont envie d'aller et de conquérir ce marché qui est déjà, laissez-moi vous dire encore une fois, très concurrentiel. Très concurrentiel. Là, quelqu'un est dit en masse Boudderba, un dit là, ou Hzem, Zizer Atas, la concurrence temporaire. Ah oui. Ou Rassakinian, Temursna, San Tewilet, et Ladra. يميقل لبغين مدبرن تمورتي وكنا ذرفقن ويدي بغا ذي زنوز انا كيسو فارن سن ارثموراقين الافريك ثورا نقارد انزنز مس محمد عاشي نقارد انزنز السلعة تمورتنا ولكن يدران ذي الفيران دان انزمر ذاغنيث انخدم الشاروكا سيتا دير ديفلوبي دي بارتناريا لك تموراقيني كساسوا ذي الوزينة ثاليلين داقيا لك تمراقين هذا الوزينة ثرنا أنا نسرسل هنا ذي الفراقين وكن زنز يسوفر ذينا فين يعني نشاروك مس محمد عاشي يعني وقيد ذا سقسي قرزنا كمل خطار أمر ذي البغين ذا وقين ذي سوي نصح توكسان القيود في تجارة غير ثمولان تفريق ثيمين إلا كان سي وضع وين ميقارن أخلاق سلسالية من الغلة غير ثمران تفريق سي تادير لا كرياسيون دي شين دو فالور ريجونال لوبجيكتيف جوستومون سي دي أريفي أ دي شين دو فالور ريجونال كومون أريفي أ انتيغري دي أ فيلياليزي دي زونتربريز أو نيفو أفريكان كريي كاريمون دي ريزو que ce soit de sous-traitance, de partenariat, de partenariat entre plusieurs groupes industriels dans tous les domaines, même agricoles, etc., qui vont intégrer. Je vous donne un exemple à Kamel. C'est moi, il y a une حوزنت يمكنني مزولة طاس يمكنني مزولة حوزنت قوين يعني نزن زين غير مورا الفراني خلال لي ماتيار بروميير نغ يعني لي برودوي اغريكول ميم لي مارشي دي ماتيار بروميير تفضي شيكاغو لندن اتسيتيرا تفضل اي سونت اليمونتي بار لي ماتيار بروميير افريكان مي نو كتاوين الفايدة كي تيغ دو لا فالور دو نيغوسي كي خدمنا لي تخيدور لي تخيدور كي تيغ دو لا فالور الكاكاو اتسيتيرا الكافي ماشي ديونا ماشي ديونا سيدنا دير دونك كاين لو مار نبغي باش تسوى لا فالور سي با افيك لا فونت دي برودوي brut, yani à l'état brut, à l'état à son transformation. Transformé, oui. Mais j'ai toujours la valeur. Il a comme tu fais un exemple. Tu as le cacao avec 2 euros aux arachènes, on m'a dit dans le chocolat avec 20 euros. Un exemple, quel pour montant. L'intégration, oui. Donc la matière première, pratiquement, elle est bradée en termes de prix. Mais lorsque les Africains importent du produit fini, il leur revient très cher. Donc, à Oufen, justement, dans la création des chaînes de valeur régionales, c'est de l'industrie, c'est de l'expérience dans l'industrie agroalimentaire, et c'est donc des partenariats, des associations avec des pays qui sont bien fournis en matières premières, et c'est à partir de là qu'on peut créer des chaînes de valeur régionales, et c'est ça qui va créer de l'emploi, qui va créer de la richesse, qui va augmenter les exportations ou bien le commerce intra-africain, mais aussi qui va augmenter surtout en valeur les exportations des pays africains, parce qu'il s'agit de produits finis, et puis si pour profiter aussi
de Kindina Mesboud Elba tout à l'heure, des avantages comparatifs de l'Afrique, il faut les faire profiter aux Africains. D'abord, le coût d'énergie, le faire profiter aux Africains. Le coût de la main-d'œuvre, le faire profiter aux Africains. Le niveau de vie. Et c'est ça qui va justement créer ce qu'on appelle en économie un effet d'entraînement. Voilà. Il va faire entrer des salariés. Des salaires, les filières, des salaires, les activités, ou des salaires le niveau économique et le niveau même social, c'est-à-dire il y en a la pauvreté. Le développement du pays. Moi, j'ouvre une parenthèse, avant que vous me posiez une question, si vous permettez, c'est juste pour rebondir à ce qu'a dit M. Hachir. Nous avons assisté samedi à une réunion d'évaluation avec le ministre des Finances, et très intéressante, il y avait toutes les organisations de l'État, des organismes bancaires, les PDG de banques, les organisations patronales. Ça a été organisé par l'association LABEF, des banques et des établissements financiers algériens. C'est une réunion vraiment qui a été très, très, très enrichissante pour les opérateurs algériens qui ont assisté, qui ont été gentiment invités à participer, à faire des propositions pour justement rebondir pour ce que vient de dire M. Hachir. Les carences et les petites lacunes que souffre actuellement la mise en place du commerce extérieur en général, hein, pas uniquement en Afrique. Et je pense que le débat a été très fructueux, très d'abord sincère. Je sens qu'il y a un retour de confiance dans le dialogue économique, c'est très important, laissez-moi le souligner ce matin, parce qu'on sent que les Algériens ont envie, tout le monde a envie d'apporter un plus, une petite pierre à l'édifice de la maison algérienne. Et parmi les propositions qui ont attiré mon attention, si vous permettez, et je vais faire ma parenthèse, c'est justement cette histoire de filiale que vient de soulever M. Hachir. Et là, on a fait les choses un petit peu à l'envers. On a dit aux Algériens, allez-y, un petit peu à l'aventure, débroussaillez le terrain, et nous, l'État, on va venir vous soutenir, vous accompagner, vous mettre en place les banques, vous faciliter les cadres juridiques que nous avons discutés ce matin. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on s'était un petit peu trompé dans la priorisation de la mise en marche de cette politique. C'est un petit peu la charrue avant les bœufs. Oui, il aurait fallu faire comme a dit M. Hachir. C'est pour ça que c'est intéressant même du point de vue des universités, parce qu'il y a quand même de la réflexion très intéressante qui remonte aussi des universités. C'est effectivement soulever le problème de la législation algérienne concernant la mise en place de bureaux de représentation, d'intermédiaires, de traders, de filiales, qui eux vont œuvrer et vont faire le travail pour nous. Justement, la législation algérienne, la législation, elle ne permet pas, justement, M. Kamel, de prendre en charge ce type d'opération qui est vraiment epsilon sur le plan financier. La question change. Oui, parce que là, la Banque centrale, elle doit rapidement, et je pense que le ministre des Finances a été très sensible à cet aspect de la négociation pour renforcer notre envie d'aller au commerce extérieur et de gagner des positions. Il a très bien compris, il a noté cette carence qui existe au niveau de la législation du contrôle d'échange concernant la Banque centrale, qui effectivement ne permet pas aux opérateurs algériens, paradoxalement, alors que le marché est porteur, tout est en place pour le faire, mais même les banques vont s'installer là-bas, elles ne le savaient même pas, ou enfin elles le savaient, mais elles n'ont pas détecté la carence. Et effectivement, il faut que les Algériens puissent payer des experts, des professionnels du commerce, des gens qui vont nous ouvrir les portes dans ces pays et qui vont faire la promotion des produits algériens et qu'on puisse les payer à partir d'une entreprise algérienne en toute transparence, avec une institution, et que le transfert se fasse totalement libre et transparent et qui corresponde, n'est-ce pas, à ce genre d'activité fondamentale pour la réussite de l'opération export en elle-même. Voilà. Justement, avec une enfant, il y a un Hachir. Justement, le change à gagner. La législation, il y a un change à gagner. Les comptoirs qui font des tumsleys qui gagnent. Il est créé de Mainouth. Il me slaye un relaf le ministre des Finances. Il était sensible. Donc, il était sensible à ces questions. Bien sûr. Il y a un hashtag, M. Mohamed Hachir, يعني ذوي تيكل تاجي وغور ناجي يعني تيكل تاجي سيد يعني ادنا فكتي فرث سنة خاتي ترى اكيد سواليك شين يعني ترى sur le plan de la volonté politique il y a de la volonté politique le vrai المدبران يعني نتمورت الفغي مدبران اسلوين تيكدو ذا مي يروح لا صافيك سي ناسن الا كتفتحهم دي فوار بيرمانونت او نيفو دو لا موريتاني باغ اكزومبل لي بيي دو il faut
sous-région. Bien sûr, des bureaux de représentation, des succursales. Bien sûr. Donc les forts permanents, des bureaux. Déjà, c'est un début. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les techniques de pénétration des marchés à l'extérieur. Il y a des techniques. Il y a même des experts qu'il faut payer. Il y a des bureaux qui vont prospecter les marchés, qui vont prospecter les opportunités, qui vont évaluer, qui vont faire une année d'abord de marketing, d'abord faire connaître le produit. Pour obtenir des marchés. Pour obtenir des marchés. Ça existe dans le monde entier. Il y a un produit algérien. Exactement. Ça répond à ça, bien sûr. Et puis prospecter aussi des opportunités d'association. Et en transparence de partenariat. Transparence totale. Effectivement. Donc, c'est ça qui va booster le commerce extérieur algérien. Parce qu'il ne faut pas avoir une vision très court-termiste. C'est-à-dire que je vais calculer juste un peu le solde. Une opération de prestige. Voilà. L'opérateur économique, ça, c'est du spectacle. C'est du spectacle. C'est pas avec ça. Même nous avons des champions, des grandes entreprises, privées et publiques. Laissez-les aller pénétrer le marché africain, investir. Se localiser, les fournisseurs. Ils ont des moyens pour prendre en charge ces opérations. Il y a un retour sur investissement. Il y a des transferts après, il y a un retour, des transferts, il y a des dividendes. Les gens ne vont pas aller à l'étranger pour perdre de l'argent. Par rapport justement à Thème Selte Guiné, le canon de Guiné, le crédit, la monnaie. المونير الكريدي ذا شيء خطر فوطين في الاسوسيون قاعد ذا شيء اي درا مسلايد في مسلايد كينا خاطر محمد نو وقيد القانونين 95 لا ريغلمونتاسيون تشونج وقيد قاعد يبدل وقيد قاعد يبدل دو فاسون جوستومون ا ليسي نوز اوبيراتور ايكونوميك investir à l'étranger. Ça peut se faire facilement, c'est pas... Donc, bien sûr, il y a une réglementation qu'il faut respecter, il y a l'évasion, bien sûr, La fraude, tout fraude, etc. On est tous d'accord là-dessus. Ou bien le transfert illicite dans la devise, tout ça, il faut mettre des mécanismes, bien entendu. Bien sûr, transparent d'ailleurs. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de blocage, de blocage, de bureaucratie par rapport à ce flux d'investissement. Le président de la République a décidé quand même de mettre même $1 milliard dans le cadre de l'agence de coopération internationale. Ça, c'est bien. Il y a un retour sur investissement, même réellement, à travers des opérations de solidarité, des opérations de coopération et d'aide à l'égard des pays africains. Donc, c'est ce qu'on appelle, ça construit une très bonne image de marque pour notre pays. C'est valable aussi pour les services. Et oui. Les banques et les assurances, par exemple, au niveau de l'expertise de nos banques et nos assurances, les bureaux d'études algériens aujourd'hui peuvent accompagner l'opération internationale. Justement, c'est les banques, c'est des banques à part entière, c'est pas des agences bancaires. Elle est tout en Sénégal. C'est-à-dire, c'est pas une succursale de représentation. C'est une banque qui est créée avec la réglementation locale du Sénégal et de la Mauritanie. C'est ça. Donc, c'est une banque à part entière. Donc c'est toute une banque qui est créée. Bien sûr, c'est des banques créées avec la participation au capital de plusieurs banques publiques. Justement. Mais c'est un début, les banques, c'est très important. Les banques, même les banques, elles ont des sections d'accompagnement. Justement, l'utilité d'une présence d'une banque algérienne dans un pays donné. Donc on a parlé du Sénégal et de Mauritanie et de l'utilité. Dans le partenariat. Vous savez, depuis maintenant plus de 20 ans, il y a des établissements financiers étrangers, mais de droit algérien qui exercent en Algérie. Toutes les banques, les grandes banques européennes, pratiquement anglaises, HSBC, pour ne pas citer des noms, les banques françaises, etc., sont installés en Algérie, ils ont un réseau de distribution, ils emploient des Algériens, ils payent des impôts, ils créent de la richesse pour notre pays. Ce sont des établissements de droit algérien. Ce sont des sociétés, économiques, à caractère économique algérien, avec un... Bon,
écoutez, nous, nous les avons vus et ils sont vraiment bien installés en Afrique de l'Ouest, ces banques-là. Toutes les banques que nous avons citées maintenant. Mmh. Bah, il ne faut pas fermer la porte à un retour d'investissement avec ces gens-là. Ils sont là. Ils ont un portefeuille d'entreprises algériennes. Ils ont une part du gâteau, oui, oui, du marché financier algérien. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faudrait travailler avec ces banques-là, puisque elles sont déjà installées ici et sont installées là-bas. Je ne sais pas s'il faut travailler uniquement avec elles, mais il faudrait aussi essayer de tirer profit de cette expérience, de ces gens-là. Mmh. Ils sont en Algérie et là-bas, déjà. Ça va peut-être donner un peu plus de... Ça va booster la concurrence pour que les... on va être un peu plus dragués, nous les opérateurs, ouais, économiques. Donc c'est bien, il faut ouvrir les... C'est des canaux qui... Oui, il faut ouvrir les partenariats. Ce sont... Là, bon, bah, c'est une... faut pas avoir honte de citer des noms, hein. Il n'y a pas de tabou en économie. La Banque Nationale Populaire Française. La BNP est bien installée en Algérie, elle travaille très bien, elle travaille sur les 58 wilayas. Vous me reprenez si je dis des bêtises, M. Achir. Elle a un portefeuille clientèle, les baisse. Alhamdoulilah, les Algériens sont très contents, même les particuliers, ils doivent avoir un portefeuille assez important de particulier. Bon, la BNP, ils sont installés par exemple au Sénégal, ils travaillent bien. Et, bon. Nous, nos banques sont installées maintenant aussi en France, elles vont commencer à s'ouvrir en France. Donc, il faut mettre tout ça à l'avantage de l'économie algérienne. Là où on peut gagner du temps, où on peut gagner une infrastructure qui est déjà rentabilisée, il faut y aller. Il faut monter des opérations en partenariat avec toutes les infrastructures, tous les établissements financiers avec lesquels il y a un retour de l'investissement. Ces gens-là travaillent chez nous, ils connaissent la mentalité de nos entreprises, ils connaissent la mentalité des Algériens, ils ont le portefeuille algérien, ils savent comment encourager les entreprises algériennes à aller au Sénégal, en Mauritanie, etc. Mais attention, ça n'empêche pas aussi aux entreprises, aux banques algériennes de se bouger, d'aller rapidement aussi. Parce que plus vite ils vont, plus les gens vont trouver une expertise, une transparence, une efficacité bancaire et concurrentielle. Et ça, c'est à notre avantage. ثورا فريت مسلت يسعى مازال مقران دانس الى لوجيستيك لا لوجيستيك غير لي بلاتفورم لوجيستيك زرا ثمور في النغ في كان مازال ثقاريا غينين الناد اللي لي ديسيرتي تروحوا لما نوركشوب تما تمور ثيتي موراي غير لافريك دو الويست الى دغنيت كيس قانا كنيت لي بلاتفورم هذه اللي غادي تندوف دي تما نراشات عند السلعه تروح ساكيا ما بغات نسيتنا ولا افريك سينا كان ترفضني الى دغنيا يونس نفاري نونو فريد ريا وين سيتين دوفا لما زويره تي ثمور غير موريتانيا ايا دران حسبي ربي غاتصي اتصي قلاق نخدم داغني ديال لوجيستيك كيني باش نصوض السلعه كينا ما سمح 11 ازال لوجيستيك كي باش يخدم ثمور فنايا كان ثوره ولاش التجاره بلا لا لوجيستيك لا لوجيستيك ما ماريتيم ما تيريستر ما ايريان شتيك تاويلات وصوض تاويلات وصوض تاويلات بخزان ستوكاج et justement, il faut y aller vers des grandes plateformes logistiques. Une grande plateforme logistique. La plateforme logistique, c'est vraiment dans la zone franche. La zone franche, après tout, c'est un régime préférentiel. Spécial. Oui. Régime préférentiel, exact. Sur le plan fiscal et douanier. Donc, malgré une grande plateforme logistique, surtout aux frontières, l'un des facteurs importants à Inix Douyen, l'intégration commerciale, c'est les zones frontalières. Vous connaissez ça, surtout avec les pays qui ont fait le Sahel, la frontière Mkroth. Donc, installer des zones franches aux frontières, Marie-Élysée, Maïtindouf, Tamnarast, etc. Donc, est-ce que nous les zones, est-ce que nous les plateformes logistiques, c'est une plateforme logistique, elles sont
une banque d'achat, tu as des assurances d'achat, tu as des bureaux de conseil, tu as un guichet unique avec les couilles chinoises, la plateforme logistique, la plateforme logistique, tu as des chambres de stockage, des chambres froides, il y a des sociétés de transport, etc. دونك علاش تاغي صا هذه يعاون مليح لو كوميرس اكستيريور انت مورثنا وهذه يعاون مليح ميم الى كان نروح فير لي زون فرونش خاطر يفقد القانون جويي 2022 ولكن مازال لي تاكس دابليكاسيون دو فيرنيرا في لي زون فرونش عند دار يتوراج وقيلا خمن 8 يعني ضمنا لينا بلا القيود ولكن لي زون فرونش يومين هانت تيليت كوبانيين كي يعني تيليت il permet la localisation directe des entreprises داخل ايتي كوبانيين كي ما راهش انت ريجيم بريفيرونسيال سا فا اتيري ميم دي ملتي ناسيونال تي تي موراني برانيين اما لوروب اما لا شين اما امريكان باسكو يا ريجيم بريفيرونسيال باسكو يا مارشي افريكان دونك اش تقول لي داين لي جن هذه سجهد مليح لانتيغراسيون ايكونوميك اي كوميرسيال افريكان فاني نبدا تحال ند هضرت في لا بلاتفورم دي تيندو في دي تمن راسات لي ديسيرتي تروحون ان ورك شوت نشدك فاش تقيت ولا بغات نعم جوست بور لا زون فرانش في دوني كو ميم اون انديكاسيون امبورطون بور لي الجيريان En Tunisie, nous, société algérienne, quand on va, on fait une demande d'installation en zone franche tunisienne pour exporter vers l'Afrique, on a toutes les autorisations d'installation en 48 heures. Il faut que les Algériens le sachent. Et nous, depuis juillet, on attend la promulgation de l'application de textes de loi qui sont favorables à la création de zones franches. Et c'est pas encore réglé. Inch'Allah, nous sommes tous les deux en train de faire des choses. Inch'Allah. C'est l'âge. Nous sommes tous les deux en train de L'Algérie a ambition d'exporter 15 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2023. Il y a des choses d'amour et l'Afrique. Quelle est la part qui pourrait revenir à l'Afrique en matière de produits algériens exportables vers ce continent, monsieur. Écoutez, nous, je vais vous dire, sur les 600 milliards dont a besoin les 54 pays de l'ASLECAF, qui sont en train de signer progressivement, actuellement les choses se font progressivement, un peu plus lentement que nous le souhaitons, nous, les opérateurs économiques, parce que nous gérons le temps différemment que les institutions de l'État, c'est un peu plus lent, parce qu'il y a une harmonisation de la législation financière, comme a soulevé M. Rachid, qui n'est pas encore totalement bien comprise. Il y a une harmonisation des avantages fiscaux au niveau de la tarification douanière pour faire une intégration en douane globale des 54 pays qui n'est pas encore bien, l'enjeu n'est pas encore bien compris pour tout le monde. Il y a des avantages comparatifs pour un certain nombre de pays qui ont une industrie, qui ont atteint un certain niveau de, disons, d'intégration économique intéressante comme l'Algérie et l'Égypte, par exemple, qui sont en leadership et qui attendent maintenant, qui sont demandeurs de ça, rapidement, parce qu'ils ont le surplus quantitatif de leur économie pour pouvoir aller exporter. Les Tunisiens aussi sont dans le tube. Mais effectivement, tout ça doit prendre un peu plus de temps parce qu'il y a une harmonisation globale de toute cette législation qui va effectivement permettre demain de capter, si nous pouvons, nous, en tant qu'Algériens, je suis modeste, mais moi, je souhaite capter 10% de ces 600 milliards de dollars. Ça veut dire, si nous pouvons, dans les 24 ou 36 mois, c'est-à-dire en 2025, début 2025, prendre une part de marché de 10% de cette manne, ça veut dire c'est possible, hein, c'est jouable. C'est jouable, parce que maintenant, tous les Algériens sont conscients de l'enjeu d'aller dans cette direction. Donc, il faut faire les réglages rapidement ici, régler tout ça en interne entre Algériens, pour que la confiance revienne entre nous. Donc si on peut capter 60 à 70 milliards, entre 10 et 12%, ou 15, même jusqu'à 15% de cette manne, ça nous fait des revenus intéressants. Ça permet d'abord de créer une activité économique pour nous, les Algériens. En même temps,
ça nous, c'est, en même temps, ça nous donne une excellente carte, disons, de visite pour aller vers les BRICS. C'est ça qui est important. Merci beaucoup.